tellement fiers de ce que nous avons accompli, surtout depuis les deux dernières années, depuis le jour qu'on a commencé à parler avec le groupe Marriott. Venant de moi, c'est peut-être un peu blasé, mais je dois dire que, et vous serez d'accord, que l'équipe a fait un travail remarquable en faisant de Marriott Port-au-Prince un hôtel exclusivement haïtien. Les différentes œuvres d'art, le mobilier, tout ce que vous voyez, ce que vous allez manger, représentent très fièrement la culture de notre pays. Avec un investissement de 45 millions de dollars, cet hôtel renforce la conviction de Digicel qu'en Haïti est un endroit idéal pour les entrepreneurs et les investisseurs. Et nous espérons que ceci va inspirer d'autres à faire la même chose. Nous venons de faire une conférence ici avec les chambres américaines, l'ACLA, qui sont toutes les chambres de commerce américaines. Quand je vois les retombées de cette conférence, surtout en termes de l'image que nous avons pu véhiculer d'Haïti, je pense que nous avons fait un beau travail avec le Marriott et puis tous les autres hôtels qui ont contribué et toutes les personnes qui ont contribué à cet exercice. Donc bravo pour ça aussi. Pour finir, et le plus important, nous voulons créer des emplois. Nous avons déjà ici créé plus de 200 emplois. Peter et son équipe font un effort maximal d'acheter un maximum de produits localement. Donc, tout producteur de produits locaux, sachez que vous avez une porte auquel frapper. J'en ai vu quelques-uns dans la salle qui sont déjà en train de vendre des produits. Continuez et on attend d'autres à venir remplir les rangs pour nous aider dans ce sens également. La construction de cet hôtel sont 4 années entières pour lancer un défi et le relever avec le succès que nous mesurons tous ensemble. Le 19 décembre 2012, nous posions la première pierre pour passer du rêve révélé un an à l'avance, le 1er décembre 2011, par une presse attentive qui rapportait les propos, et je cite, de M. Arne Sorensen, qui était le chef exécutif du groupe Marriott, et je cite, « Nous pensons que nous pouvons changer les choses en Haïti en apportant des capitaux, en créant de l'emploi et en développant le talent humain. » Le Marriott Tujo, 4 ans plus tard, a bien relevé ce défi. C'est donc plus que 50 millions de dollars américains investis ici à Turjo. Pendant sa construction, elle a mobilisé plus de 1000 emplois avec 200 emplois permanents, dont 95%, c'est bien ça Peter, sont des employés nationaux. Plus que ça, voilà. De plus, le Marriott vient se ranger aux côtés des 3 autres chaînes internationales qui ont eu confiance en Haïti et accordent leur pleine et entière confiance. Aujourd'hui, nous avons 4322 chambres de standard international ici à Port-au-Prince. Cela pourrait suffire à notre satisfaction, mais il fallait que les responsables de ce projet aillent un peu plus loin. Faire œuvre de pionnier et nous suivre sur le chemin du développement durable en axant le fonctionnement de la structure sur l'utilisation de la production locale. Ce pari de consommer et de s'approvisionner localement a été bien relevé par le groupe grâce à l'apport combien important de son general manager, Peter, qui est avec nous, que je tiens particulièrement ce soir à honorer. D'abord pour l'amour qu'il porte à son métier, c'est très important. Et secondo, pour sa détermination à faire vivre à chaque visiteur qui rentre dans le Marriott la culture et la gastronomie haïtienne. Peter, un grand merci, tu es définitivement un des nôtres. Merci en pile. Alors je ne peux terminer ces quelques mots sans reconnaître le travail du staff de Marriott. Vous êtes où le staff de Marriott? Je veux parler des employés, de ceux de l'accueil, de la restauration, de la réception, du housekeeping, dont représentent plus de 95% des jeunes talentueux haïtiens. Continuez toujours le bon service avec le sourire, je suis fière de vous. Succès au Marriott, succès au tourisme en Haïti. Amusez-vous bien ce soir, merci beaucoup. Ainsi, j'ai l'honneur, puisque notre premier ministre, le chef du gouvernement, est arrivé juste à temps, puisqu'il était au Mupana pour l'inauguration de l'extension des jardins de Mupana. J'ai l'honneur d'introduire M. Evans Paul, notre premier ministre. Je suis là pour témoigner mes respects à cette œuvre colossale
et qui témoigne l'effort des Haïtiens en concertation, en coordination avec des investisseurs étrangers pour doter le pays de cette infrastructure touristique géante. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce soir, d'abord pour vous transmettre les chaleureuses salutations du président Martelly et réaffirmer tout le support, toutes les facilités du gouvernement de la République d'Haïti qui ouvre largement les portes du pays aux investissements. Mayotte est la manifestation de cette politique de promotion des affaires nécessaire au progrès économique de notre société. Mayotte est le signal clair de la volonté collective de la République d'Haïti à faire le pas géant qui nous mettra irréversiblement sur le chemin du développement de notre cher pays, Haïti. Vive Mayotte, vive Haïti, vive la vie, bon Dieu bénis-nous.